Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2, épisode 18, je crois, je sais plus. Je sais plus, on s'est arrêté ici avec Lev. On avait fait une petite cascade. On continue l'aventure. C'est parti, donc on fouille vite fait comme d'hab. Ok, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Tant pis. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on n'a plus grand-chose. Un peu le stuff. On récupère. Allez, viens, lève. S'il y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu nous devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Ok. Attends, je suis paumé là, on peut aller là-bas. Ou là-bas. Je vais aller voir là avant. Y'a que dalle. Vas-y. Hop là. Hop là, on a pris que ça. Ah, ok, on revient là en fait. Wifi gratuit. Quoi? On sait jamais si jamais c'est un code. 12 18 79, on sait jamais. On sait jamais. Ah. Allez, Abby. Des fois il y a des bugs hein, sur ça, regardez là. Je sais pas pourquoi ça bug sur ça. On a dit 12, 18, 79, je sais plus. T'as la mémoire de poisson rouge. C'est ouais, pas le bon code. J'ai tenté, chef. Attends, je vais re-regarder, mais c'est ça. Hein. 12, 18, 79, c'est ça que j'ai fait? Ouais, si. Bon, c'est pas le bon code du coup. Ok. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de lui. J'ai encore un truc à fouiller à droite, je crois. Un cadavre. C'est l'un des tiens? Non. Regarde les vêtements. Tiens, c'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Lev, il y a désinfecté dans ce bâtiment? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Je suppose que oui. Ça pue le colosse, ça tape les traces de sang et tout là.
Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances ? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte, alors. Il va y avoir du sport. Bon, un masque. Faut que je trouve un masque. En vrai, je vais mettre le pompé, ça. Je vais avoir du mal à rester discret comme d'hab, donc autant prendre ça, quoi. Là, je peux passer, non? En mode funambule. Oh putain, cet immeuble tombe en ruine. J'ai l'impression que j'entends. Mais c'est elle que j'entends. Merde. Toi, reste là-haut, ok? Oula, oula, oula. Salut. Bon, on part sur un bug, hein, les gars. Super. Non. Ah, j'avais vu des gars qui avaient partagé ça, comme quoi il y avait des bugs. Ouais, bon bah là. Non, je voulais prendre les munes. Bute-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Bah ouais. Connard. Et là c'était fermé aussi. Oh, je perds les pédales. Il y a des bruits de partout, quoi. Putain, je sais plus d'où je viens là-bas. Hein. Pas confiant. Non, je viens de là, moi. On va se faire attaquer. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, Lev. Je le savais, petit con. Oh putain. Ah!
faire foutre. Attends. Je peux pas passer moi. On va essayer de retourner voir l'Ev. Merde. Tiens, c'est cadeau. Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. Tourne. T'as vu par où descendre ? Non. Abby, t'en penses quoi ? Il y avait un trou au plafond tel qu'il pourra passer. Descendre ça. J'arrive. J'ai pas mon fusil à pompe. Ah non, c'est peut-être quand j'ai annulé la sauvegarde. T'as été obligé de le mettre là. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Comment on fait pour se balancer déjà? Je peux pas me balancer, je suis obligé de descendre. Ok. Alors, on ramasse ce qu'il y a, t'inquiète. Ils ont tout fait péter, quoi. En vrai, je me demande si ça sert à quelque chose, le silencieux. Contre les infectés... Plein.
sûr. Quoi. Merde. Ce truc était en train de grossir dans le mur. Ah ok. Jusqu'à ce qu'il me saute dessus. Je déteste les démons. Et moi donc. Si on peut plus chercher tranquillement. Où va-t-on? Le pompe, je vais le mettre là, hein, parce que je suis en galère, putain, à recharger mes armes. Saute là, là. Que j'entends. On doit encore descendre. Je sais pas, il est grand cet immeuble. C'est fait. Putain, c'est trop stylé comment ils sont pétés les bâtiments et tout. Franchement, c'est ouf. C'est quoi ça? Wouah! Lance patate ou quoi? C'est quoi ça? Ah non, lance flamme, ok. Putain! J'ai oublié de regarder. C'est pas juste de faire ça. J'ai plus de life. Attends, qu'est-ce qu'on peut augmenter là? La vitesse des déplacements. Kits médicaux. Confection rapide. Vas-y, on va peut-être partir là-dessus. Ah, formation à leur survie, trophée, excellent. T'as le lance-flamme, mon pote. Ça va faire mal, ça, je crois. On va voir s'il est différent du premier. Je suppose que oui. J'ai bien fait de venir là, non? Ça servait à rien en fait, à part pour l'arme. Bon, le deuxième en crame. Hein. J'ai tué un démon. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée en fait. Okay.
Dragon. Tu l'as dit. Tornard Dragon. C'est rigolo ça. On va juste voir. Sans bon fabriquer en fait. Par contre j'ai plus de sûr, hein. Ça c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Parce que je peux aller là-bas, mais là y'a quoi en fait? Y'a rien, ok. Bah quoi que si je peux aller là, mais je voudrais aller voir ce qu'il y a là-bas quand même avant. Oh. Non, il y a en dessous. Ouais, il y a en dessous. C'est un colosse ou un puant? Je dirais puant. Des fois dans le ramassage des armes ça ramasse tout d'un coup quand c'est trop proche. C'est ça, j'étais le buté juste pour ça là. Ouais bon, c'est pas grave. Très bonne élève. Qu'est-ce qu'on se marre. Je le déteste cet immeuble. Continue à descendre, on est presque au niveau de la rue. On va faire pompe et lance-flamme. Ok. Un peu de mal avec la balance là, c'est chiant. Où j'ai fait tomber. T'as mis les malades les. Y'en a pas dans le mur là? Ok. J'ai la pression.
C'est un immeuble très accueillant. Bon, on avance. Mais est-ce que ça va? Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux. Qu'est-ce qu'on peut craft là, rien? Ça pue ça. Je le sens pas ici. Je le sens pas ici. Sachant que j'ai plus de sur un. Voilà. Après, je peux juste passer à côté de là. Putain, j'adore comment ils se tiennent les claqueurs, ça fait stylé. J'étais en train de regarder ma santé. Quel con, putain. Bah vas-y, on va y aller en mode bourrin alors. On va y aller en mode bourrin. Je sais pas si ça te... T'en es dans un nid. Dans un nid. L'autre côté, si bien quand j'ai couru, il y en avait un autre. Vas-y, on essaye d'y aller en mode bourrin. Thank you.
dégueulasse. Ouais, j'allais dire, donnez-moi au moins un petit peu de stuff là. Ah mais je crois que j'ai explosé alors qu'il était déjà par terre celui-là. Et le colosse, y'a rien sur lui? T'es sérieux? Putain, les colosses, ils font peur, hein. Putain. T'as pris ta balle, hein. J'ai visé, j'ai tiré, chef. On a cordé comme ça, là, rôdeur. Eux, c'est les pires, putain. Par où on se barre, là? Par là? Ok. Si je me serais barré de la directe. Moi. On y va. Immeuble de merde. Tu l'as dit. Une pièce de quoi? Quoi? Bon, on va le trouver le stuff pour Yara là parce que ça commence à être angoissant, hein. Tu peux retirer ton masque. Merci. Non, on va changer, je pense que j'aurai plus besoin de ça là. On doit pas être les seuls ici, hein. Tu vois l'élévateur juste là? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Je préfère cool, mais... qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Yara s'inquiète. C'est cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu regrettes de t'être rasé la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lev... J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous,
en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle? C'est notre mère. C'est notre devoir. Ok. Puisse-t-elle te guider? Soit tu reconnais le chemin, Lev. Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'il voudrait te faire la peau. Moi, Yako Backgammon, que je suis une menace pour eux. Le Backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Il va nous couvrir d'eux, là, non? Ça craint un peu, non? Où est-ce qu'on peut aller là? Il y a un mec là. Je peux pas monter là, ok. Il y a quelqu'un dans l'eau. Notre. Je suis une wolf. Tirez pas. C'est moi. Abby. Abby? C'est Abby, merde. Elle est seule? Ouvre le portail! J'ai eu peur. Attendez, je regardais l'heure. Salut les gars. Ah ben, je t'ai venu à la nage? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer de nouvelles recrues? Ok. Ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Que je peux ramper là? Non, ah, j'allais dire. Vas-y, on va aller voir si on peut ramper le matos. Ah! Hey! J'arrive. Ah, mais c'est par là qu'on est venu, Kelly. Ok. Je reconnais. Elle a sauté là. Ok. D'accord, donc pour rentrer là-dedans. Je n'avais pas encore fini. Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance.
Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Tu vas te déboîter l'épaule. Laura. Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il n'a pas été tendre. Quelqu'un a parlé? Non. Sympa ce Isaac. Ouais, ouais, ouais. Laura? Vous allez où tous les deux? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va? Comme d'hab. Annie, c'est un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Une seconde. Y a personne. Ok, on y va. Ok, enfin bref. Je sais qu'Owen peut pas rester. Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on est déjà passé par là. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Au pire, trouve les ambulances. Normalement, elles sont équipées. J'ai déjà trouvé du matos. Bonne idée. Musique. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Que ta vie soit longue. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Bon.
Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode et on va reprendre tranquillement dans le prochain. Donc là, on était en mode immeuble infecté et c'était vraiment la pression, j'ai envie de te dire. Bref, on s'arrête ici pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Peace.